C'est pour entourer de notre affection sa famille, entourer de nos sympathies, de notre amitié, ceux qui sont de la peine aujourd'hui. C'est pour affirmer que tous ces liens d'amitié, d'amour, d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Louis et lui demander de l'accueillir et donner consolation à sa famille. Voilà, et au commencement de sa service, on va demander des membres de la famille pour venir s'y prendre, pour recevoir la poussée et pour se donner une savane la poussée autour de ses pays. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons fait pour repartir dans l'espérance. À présent, ça, c'est un homme à déposer la croix de Séké. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de l'amour pour Louis et pour chacun de nous. Malgré la tristesse causée par la mort, nous sommes capables de trouver une équerre, Seigneur, toujours, à cause de l'équipe de Dieu, pour
graine de cœur, Seigneur, toujours. À cause de lui qui nous conduit. Il est toujours là de nos côtés. Il prend soin avec nous. Il réconforte nous. Il relève nous. Alors nous dit, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde, partagez nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité dans les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie et au bonheur éternel. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison la famille, les proches, les amis de Louis qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles, amen. Nous cabassisez pour nous écouter par volonté. Brothers and sisters, we know that if our earthly dwelling, a tent, should be destroyed, we have a building from God, a dwelling not made with hands, eternal in heaven. We are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord, for the walk by faith, not by sight. Yet we are courageous, and we would rather leave the body and go home to the Lord. Therefore, we aspire to please Him, whether we are at home or away. For we must all appear before the judgment seats of Christ, so that each may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. The word of the Lord, thanks to God.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu étais apprécié par tes collègues et tes élèves.
Je sais que tu ne serais pas perdu, même maintenant. Tu n'es pas perdu. Je t'ai ramené à la maison. La maladie était plus forte que moi et je n'ai pas pu faire grand-chose pour te garder auprès de moi, car on avait tant de choses à faire ensemble. Ton dernier mot, c'était pour les enfants. Les enfants vont prendre bien soin de toi, car ils ont bien été élevés, nos enfants. Car ça, je le sais. Alors je te dis au revoir. Tu seras toujours près de moi. Et ce soir, je t'amène à la maison. Il y avait son meilleur ami, Dr Perret, qui n'a pas pu venir parce que le Covid en a passé par là. Alors, il m'avait demandé si je pourrais prononcer ces quelques mots pour Loulou. Loulou, mon ami, mon frère de cœur, je m'adresse à toi au présent. Tant nos vies se sont amenées et se sont nourries l'un et l'autre. Je me suis souviens clairement de notre rencontre au Guest House Bel-Air. Un peu désemparé, où nous sommes devenus compagnons de fortune, car nous étions alors au plus bas de nos vies respectives. Cette époque, l'équipe de soutien mutuel au quotidien et de solidarité cimentera à jamais notre amitié. Puis ce fut la période de belle ombre, et ta reconnaissance sur cette terre d'accueil s'est chez toi pour construire ta vie professionnelle et une nouvelle famille. J'ai été le témoin et à partager avec toi tant de moments d'intense émotion. Familio, d'abord avec la première rencontre de ta femme Babette, la naissance de tes filles aux Seychelles. Moment professionnel où tu te dépensais sans compter avec autant d'exigence pour toi-même que pour tes élèves. Moment de détente où nous étions partenaires de pêche, d'acteurs dans les films Les Exilés 1801 et de pétanque et coéquipiers en voile ou sur le moto, dont ton surnom de Rouge Jaune. Tu as toujours aimé les défis aussi après les Seychelles, ce fut le retour en France, à Nice, puis la Nouvelle-Calédonie, puis la Guyane. Le fil n'est jamais rompu et tu es resté un homme fier, droit dans ses convictions et de ses valeurs forgées dans les conditions difficiles de ton enfance et ton adolescence que peu de gens connaissent en raison de ta pudeur pour ce sujet-là. J'ai toujours vu un homme debout, d'une générosité immense, agrémentée d'un sacré caractère de breton, de ténacité et de persévérance, dotant toute l'opinion de ton personnage. Je suis d'ailleurs persuadée que tu n'as pas pu t'empêcher de le transmettre à tes enfants, et que ce serait à ton tour pour réussir leur vie. Être l'ami d'un homme au cœur, immense est un privilège et un honneur. Aussi Sophie se joint à moi pour t'embrasser 1000 fois, et je te dis, sacré Loulou, à bientôt, vieux frère. Merci. Trouble each and every heart.
prayer, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but them again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I she knew when I bit off more than I could chew. Go through it all, well, that was how I let it all spin it out. I faced it all when I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fear, my share of losing, and now I'll still subside. I find it all so amusing to think I did it all, and that of me I see, no, in a shining, oh no. Oh, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has got to serve me. Je suis un homme passionné parce que je fais quelque chose à moitié. Et chaque fois que je fais quelque chose comme il faut le faire. Et voilà, lui, il tombe amoureux, excessif. Du moment
Borgne vient ici, il rencontre Babette. Alors, il découvre ça dans le nouveau l'amour. Et il refait encore cela. Et il tombe amoureux avec sa pays aussi. Et le grand dit que Cécile, c'est une son deuxième patrie. Après son patrie, dans son pays, la Bretagne, dans son région, vous connaissez, il sortit la Bretagne en France, et la France, son patrie. Et voilà, il est un enseignant pendant plusieurs années, il enseigne dans l'étudiant, dans l'hôtellerie, une forme autre. Vous aurez dit peut-être qu'il y a beaucoup qui encore travaillent dans sa industrie. C'est important pour nous, l'économie. Mais lui, il a une joie de vivre. Il a toujours une joie de vivre. Il a son essai, bien sûr, mais il a une joie de vivre. Ça veut dire qu'il peut nous avoir une joie de vivre, mais tout en étant sérieux. Mais voilà, lui, c'est la qualité du monde. Et quand il donne l'amour, une quantité, il donne la bête. Quand c'est l'amour, il donne ce bon sang en force. Et quand c'est l'amour, il vit l'amitié avec tout ce bon sang. Voilà. Sa bonne chose comme ça, c'est important pour lui. Pareil, il devrait être important pour nous. Parce qu'il a la vie, il ne peut pas vivre sans l'amour, sans l'amitié. Et du monde, vous pouvez voir, s'il dit, on n'a pas besoin d'amour personne, on n'a pas besoin d'amitié personne. Mon satisfait en moi-même, mon suffi en moi-même. Et personne ne peut pas dire parole pareille à lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui a suffi en lui-même. C'est juste pour dire tout seul qui a suffi en lui-même, qui n'a pas besoin de quelque chose. C'est juste pour dire. Mais nous, humains, non. Nous tous, nous avons besoin de camarades, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de vivre l'amour, nous avons besoin de donner l'amour, nous avons besoin de recevoir l'amour. Et partageons la vie avec les autres. Partageons la vie. La vie pas juste pour nous. Non, nous devons partager avec les autres. Et voilà, mes amis, mais la vie, c'est quelque chose qui est formidable. C'est la vie que nous vivons. À cause des cadeaux que bon Dieu nous donne. Bon Dieu nous donne la vie pour nous bien emmener, pour nous bien faire pendant que nous vivons. Et bien sûr que la vie. Pas toujours, c'est ces semaines roses qui nous permettent seulement à ce moment-là. Les carpettes, pareil pour le mariage. Peut-être que vous pouvez imaginer, quand vous êtes marié, c'est une carpette. Une carpette là. Mais la vie lui-même, il y a une carpette pour le mariage. Et tapis rouge pour le mariage là, pour la journée. Non. Il y en a aussi sur le combat. Mais même, c'est la vie là, qui nous devrait vivre bien. Mais aussi mettre mon Dieu présent de sa vie. Parce qu'il ne peut pas vivre juste pour nous, par mon Dieu. Nous vivons aussi pour mon Dieu. Pour mon Dieu. Parce qu'il est qui nous créateur. Parce qu'il est qui est capable de donner nous la vie après la mort. Voilà. Il est qui est capable de faire nous ressusciter après la mort. Il est qui est capable de donner nous la vie éternelle. Et voilà. C'est la vie éternelle. Comme est la même de la terre. Et voilà, mes amis. Mais lui, il a un sens vivre tout, ça donne quelque chose. La joie, la force, la peine, bonheur, tout ça. Il fait partie de la vie. Comme pareil pour nous tous. Nous tous, la vie, il y en a, ça donne quelque chose là-dedans. Mais à la fin, c'est la vie là. Il besoin terminer un jour. Nous pas connaître quand nous la vie pour terminer. Non, nous pas connaître. Mais nous besoin aller un jour. Traverse par la mort pour nous aller de l'autre côté. À quoi nous pouvons dire, juste pour ça la terre. Nous devons imaginer ça tout le temps. Tout le temps, nous devons imaginer ça. À cause il y a beaucoup de monde qui vivent comme si ils existaient juste pour ça la terre. Juste pour quelque chose de matériel. Juste pour l'argent. Non, ne peut exister juste pour ça, bonne quelque chose. Nous avons l'avenir plus grand encore. Et l'avenir éternel avec bon Dieu, nous créateur. Et alors, c'est ça, nous la vie,
soit dans la vie, nous dire au revoir, nous dire adieu, bande qui nous content ici, ici-bas, mais pour nous, on retourne pour nous, Seigneur. C'est même ça qu'il vient faire, mais retourne pour son Seigneur, qui nous donne son la vie, qui nous donne son âme, et son âme, ne retourne pour mon Dieu. Alors, qu'il vit, il y a repose en paix, et qui est un jour à lui. Et qui, bon Dieu, donne aussi consolation, il donne réconfort. Tout ça va nous faire aujourd'hui de la peine, de pleurer son départ. Mais quand on a fait un bon moment, qu'il nous passe avec lui, il y a une consolation pour nous. Et aussi l'espérance. Ça va, il y a une bonne valeur qu'il nous capable de gagner avec lui. Il a continué à vivre, ça va une bonne valeur. Alors lui, repose en paix d'aller voir mon Dieu. Et qui un jour ne va revoir dans la maison du Père. Amen. Après, ça n'a pas des bouts pour la prière universelle.
Sont partis. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit sera bien accueilli. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, plus douce que nous-mêmes, plus forte que la terre, nous allons déposer ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre notre cœur entre les mains de notre Père. Et c'est Manabaré dit sa prière que c'est lui-même, il enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre frère Loulou, Louis, s'est endormi de la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, de la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive un héritage avec les saints, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, spécialement pour sa famille, pour ses proches, ses amis. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra de la gloire, lui qui est notre vie. Le caractère de sa chambre sur le seuil de sa maison. Les pas de Dieu sourire au monde.
quand il promet de la résurrection. Seigneur béni, nous voulons faire nous rappeler qu'il vient de nous enfants de Dieu par ce matin, qu'il recevra la vie de Dieu, la vie éternelle. Et Seigneur béni aussi, nous exprimons l'amour, l'affection, l'amitié que nous en avons pour lui, et aussi une espérance et la foi de la résurrection. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de notre foi, je bénis son corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lord, I come to you.
chaque invocation qui m'ont dit, je vais répondre, commence avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Nous te disons, prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans éclat. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons de tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Nous terminons par tourner vers la Vierge Marie et nous dit, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et tous les siècles des siècles. Amen. Ensemble. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Louis, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Louis a reçu de toi en cette vie. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter et ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère Louis auprès de toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, mon frère et saint, la famille, avant de terminer, nous exprimons ces condoléances à Babel, à ses bons enfants, à tous les autres membres de la famille et bonnes sommes qui, bon Dieu, donnent notre courage dans ce moment difficile. Nous allons continuer à prier pour vous, nous allons continuer à prier ensemble. Et nous disons lui adieu jusqu'à ce jour, n'arrivons à lui dans la maison du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà pour le dernier chant, le chant d'adieu. I'll fly away. When I die.
Hallelujah.